Attention à ce ballon en profondeur, il s'est fait prendre un petit peu de vitesse et l'ouverture du score. Ouverture du score pour le SCO d'Angers. Il y a une erreur d'appréciation d'Andy Niaya sur ce ballon. C'est un peu plus de quart d'heure. Superbe ouverture là pour Andy Rodin qui peut se défaire. Et le but, et le but. Égalisation canaise de Mister Buteur. Mister Ronny Rodin qui égalise pour le Stade. Voici Soko là qui va rentrer dans la surface de réparation canaise, qui va pouvoir centrer. Voilà, attention à cette tête de Ndoye, parce qu'il voilà, elle est dedans, la tête de Ndoye. Et sent que c'est Ndoye, but, hein. Ouais, deuxième but pour le SCO d'Angers dans ce match total. On part très vite en contre pour Angers. Attention en contre à ne pas se faire avoir avec Jordan Adeoti en difficulté. Jordan Adeoti et pénalty. Jordan Adeoti totalement. Okay. J'ai jamais vu encore Rémi Vercoutre en sortir un, je crois. Ouais, arrête, pourvu que ce soit ce soir. Aïe, 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 quel début catastrophique de seconde période. Attention, eh ben non, ce sera encore pas ce soir. Rémi Vercoutre, donc, avec ce pénalty plein axe de Thomas Manc. Un Bucanet peut-être. Oui, allez, faut le mettre. Oui, 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 oui. Ivan Santini, Ivan Santini sur ce contre-canet avec un premier essai de